La Scopsema, oui. Voici Sarah, je suis Juliette. Et dans la même pièce que nous, il y a Jeanne que vous ne voyez pas, que vous allez entendre, qui va s'occuper de répertorier toutes vos questions que vous pouvez laisser dans le chat en ligne. Alex, je te laisse peut-être dire un petit mot d'intro. Oui, deux minutes. Avant notre webinaire. Donc, c'est un meet-up, c'est la continuité des meet-up du CARA, du Club Agile Rhône-Alpes Grenoble. Donc, on a essayé de faire une nouveauté, de faire ça en ligne. Et moi, je remercie Semaoui qui nous a prêté aussi le Zoom séminaire, là, webinar pour faire des choses. Voilà. Donc, écoutez, y a 17 personnes qui sont présentes. C'est parfait. Moi, je suis partant pour démarrer. Et hop, je disparais. Comment je disparais? Je disparais quelque part. Voilà. Ah bon. Un claquement de doigts. Voilà, c'est tout bon. Super, bienvenue à tous. Pour information, le webinaire sera enregistré. Jeanne, tu me valides bien que ce sera enregistré. C'est super. Donc, il sera disponible en replay pour les membres du CARA. Et donc, vous pourrez utiliser tout au long du webinaire le petit module Q et R pour adresser vos questions. Et on les prendra au fil de l'eau. Ce qu'on vous propose comme format, c'est de vous raconter un peu cette histoire de quand Agilité a rencontré, en fait, quand Semaoui a grandi, s'est pleinement épanouie dans l'agilité, et puis un jour a rencontré le chemin de l'acratie comme schéma de gouvernance, et comment est-ce qu'on l'a mis en place. Donc l'idée, c'est de vous parler un petit peu de ce cheminement-là. Juliette, après, vous présentera un peu les bases de Holacracy, comment ça marche en fait, qu'est-ce qu'il y a dans ce système-là. Et l'idée après, c'est de, comme un peu tout le long du webinaire, de faire tous ces ponts, ces allers-retours entre Holacracy, l'agilité, quels sont des mécanismes qu'on a pu mettre en œuvre, comment est-ce que des principes du manifeste agile, on peut les retrouver dans Holacracy aussi. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de faire plutôt un témoignage, un peu un retour d'expérience de là où nous en sommes aujourd'hui et de traiter toutes vos questions au fil de l'eau, quoi. On s'est dit qu'on pouvait vous parler à peu près une demi-heure et qu'après, on prendrait vraiment le temps de répondre à vos questions. On a prévu une heure et demie en tout. Si on finit plus tôt, on finit plus tôt. Et si on va jusqu'à 19h30, tant mieux. Voilà. Jeanne, je te propose juste de départager la présentation le temps qu'on vous raconte un peu l'histoire de comment on est allé de l'agilité jusqu'à l'holacracy. Tu veux démarrer ce petit récit, ça ? J'attaque avec ça. Donc, Semaoui, on est une SCOP aujourd'hui. Donc, c'est une société coopérative composée de 6 salariés qui sont aussi associés. Notre métier aujourd'hui, c'est vraiment l'accompagnement des organisations, des équipes dans leur transformation managériale et comment faire en sorte que des équipes travaillent mieux ensemble, s'épanouissent, et ça passe aussi par les questions de gouvernance. Dans une autre vie, Semaoui s'est appelé Semaweb. C'est peut-être comme ça que vous nous connaissez dans un premier temps. Et notre métier était beaucoup plus orienté sur développer des stratégies de communication, ce qui nous a amené à travailler avec des principes de l'agilité, notamment pour des activités de développement web. Donc, on s'est appuyé avec un retour d'expérience très positif sur l'agilité dans la manière dont on gérait nos projets en interne, mais aussi avec nos clients. Ça nous a fait beaucoup cheminer et ça a vraiment appuyé des principes qui étaient forts pour l'équipe de mettre à disposition des moyens pour laisser le plein potentiel en fait des personnes, des développeurs, des chefs de projet dans leur périmètre d'action. Et chemin faisant, on a continué d'appliquer l'agilité à notre gestion d'équipe. C'est comme ça qu'on a aussi fait des rétrospectives d'équipe pour s'occuper de nous, prendre des temps juste pour voir comment se situe notre équipe, comment on va et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Dans les outils qui nous ont inspirés aussi de l'agilité, on retrouve évidemment la mêlée qu'on a gardée à l'échelle de l'agence. Et on a beaucoup utilisé le format du forum ouvert que vous connaissez peut-être pour des questions un peu plus hautes avec une fréquence de 1 à 2 forums ouverts dans l'année pour prendre un peu de hauteur, faire un pas de côté et réfléchir à des sujets un peu plus macro qui nous concernent, c'est-à-dire une vision, ce genre de choses.
Donc ça, c'était, je dirais, avant, jusqu'à notre transformation en SCOF, qui s'est faite il y a 2 ans maintenant, où là, donc, toute l'équipe est devenue salariée associée avec des parts dans l'entreprise. Le SCOF, donc, ce sont les sociétés coopératives, c'est une couche de droits supplémentaires qui vient se mettre dans le monde de l'entreprise. Évidemment, ça change beaucoup les relations dans une équipe, chose dont on ne s'est peut-être pas forcément rendu compte dans les premiers mois, un peu tout excité de cette transformation, de ce changement de statut. Et on a eu besoin assez rapidement de mettre du clair, en fait, dans les relations qu'on pouvait avoir entre associés. Alors, on s'est bien dit qu'il nous fallait des temps particuliers, donc on a commencé à avoir des réunions d'associés, où on passait parfois de sujets très hauts, notre stratégie de prix par exemple, à des sujets plus opérationnels ou plus terre à terre de nos bureaux, que sais-je. Tout ça se mélangeait un peu et on perdait un peu en efficacité. Et on a trouvé dans Holacracy un système qui nous a permis de prendre soin de notre gouvernance. La gouvernance, moi je l'ai définie comme la manière dont on prend des décisions dans un collectif, dans une équipe. Et pour ça, on a rencontré le chemin de Holacracy. C'est un système de gouvernance partagée qui fonctionne en cercle avec un principe de rôle différencié des personnes. Là-dessus, peut-être, Julia, tu pourras plus en parler. Mais si je reviens un petit peu plus sur le moteur de ce qui nous a poussé à adopter ce système-là, c'est vraiment dans une question de recherche d'efficacité sur, je dirais, à la fois une efficacité opérationnelle dans le quotidien et aussi ce besoin d'explicite et de sincérité des uns vis-à-vis des autres. Et on s'est rendu compte qu'avec notre nouvelle casquette d'associé, il nous fallait quelque chose de plus robuste que ce qu'on avait jusque-là. Chose que, pour l'instant, on n'avait pas trouvé dans l'agilité. En fait, il n'y avait pas d'endroit où on prenait vraiment du soin à mettre de l'explicite sur les attentes qu'on a par rapport au rôle qui est tenu par une personne. Sachant que dans notre entreprise, nous sommes 6. Donc, vous vous doutez bien qu'on n'énergise pas qu'un seul rôle. On en a plein, sur plein de sujets différents, parce que c'est nous qui faisons tout. Et en devenant associé, on est non seulement pleinement engagé dans notre projet d'entreprise qui est notre projet commun, mais en plus, on a vraiment besoin de mettre du soin sur le fait d'être clair dans nos attentes respectives. Et sur ce sujet-là, on avait commencé à avoir cette culture de l'explicite grâce à l'agilité, parce que dans l'agilité, il y a vraiment de ça, mais on ne trouvait pas ça suffisant pour aller vraiment au fond des choses et dans le détail et dans la clarté de ce qu'on attendait les uns des autres. Pour remettre ça peut-être un petit peu en perspective, conjointement avec l'agilité, on a été très inspirés par l'entreprise libérée, des idées assez de, je dirais, qui nous ont poussé à revoir un peu les manières dont on pouvait envisager une organisation et à fuir un modèle pyramidal. Voilà, l'idée de fiche de poste n'a jamais existé vraiment pour les membres de l'équipe On a tous une grande polyvalence, même s'il y a des spécificités de métier, évidemment, plus marquées, avec un graphiste j'ai seulement son prénom en tête, c'est Sylvia, qui est par exemple notre support sur tout ce qui est de l'activité de l'organisme de formation, avec des choses très administratives. Donc, on voit bien qu'il y a des différences dans les métiers qui se répercutent dans les attentes aussi, quoi. Voilà pour ça. Ouais, je pense qu'en termes de contexte, le tableau est un peu assez bien brossé. Si ça vous fait naître des questions, n'hésitez pas, on les prendra par la suite. Du coup, je te propose de repartager la présentation, Jeanne, juste pour vous donner une idée d'échelle de temps. Donc là, on vous parle de... Ça fait un peu plus de 10 ans que SemaWi existe, anciennement SemaWeb, et notre entrée dans l'agilité, elle s'est faite il y a un peu plus de 5 ans. Notre transformation en SCOP, il y a un peu plus de 2 ans, et là, Holacracy, ça fait une bonne année qu'on pratique. Donc là, on vous a partagé un petit schéma pour vous expliquer rapidement en quoi consiste Holacracy. Il y a plusieurs influences qui ont permis de créer Holacracy. C'est un système qui existe, en fait, qui a commencé à être designé par Brian Robertson aux États-Unis il y a bientôt 20 ans. Et en fait, il y a vraiment une approche inspirée de l'agilité dans le sens où c'est vraiment...
un modèle qui est sans cesse re-questionné. Il y a vraiment une communauté d'utilisateurs. D'ailleurs, jusqu'à présent, la constitution Holacracie dispose d'une constitution qui explicite clairement les règles du jeu. Et jusqu'à présent, c'était la version 4.1 qui était utilisée. Et depuis quelques mois, il y a une version 5.0 qui est sortie et qui a été proposée donc par la communauté des premiers praticiens d'Holacracie et qui a vraiment été re-questionnée, bonifiée, améliorée par toute la communauté. Et là, on a une deuxième version de la 5.0 qui est sortie ce week-end. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment une culture commune entre l'agilité et l'Holacracie avec cette volonté de s'adapter et d'aller au plus près de la réalité des gens qui pratiquent. Ça, c'est hyper important pour l'état d'esprit Holacracie. Il y a une autre mouvance qui est assez proche de Holacracie, c'est la sociocratie, qui est aussi un système de gouvernance partagée. Mais il y a quelques nuances entre la sociocratie et l'Holacracie, mais l'idée, c'est toujours pareil, c'est de mettre de l'explicite sur des rôles, sur des cercles, et d'expliciter qu'est-ce qu'on attend de ces rôles. Et enfin, il y a une troisième source d'inspiration qui est la méthode GTD. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Getting Things Done. Je ne la maîtrise pas assez personnellement pour vous en parler dans le détail, mais je sais qu'il y a vraiment des points communs, surtout en ce qui concerne la notion de projet et de raison d'être. C'est vraiment deux choses qu'on retrouve vraiment dans GTD et qui est repris entièrement par Holacracie et qui amène vraiment une connexion très intéressante entre les rôles et puis les projets qui sont faits à l'intérieur des rôles. Donc il y a vraiment une continuité et Holacracie permet vraiment de faire de la gestion de projet. Donc c'est, vous l'aurez compris, c'est un mode d'organisation en cercle. On parle de cercle comme une image où en fait c'est pas Holacracie, c'est pas de la pyramide et c'est pas de l'horizontalité non plus. Ce sont des cercles. C'est un peu particulier expliqué comme ça, mais vous allez un peu mieux le comprendre. Tout à l'heure, on vous donnera des exemples plus précis de... Des choses plus visuelles, peut-être. Voilà, des choses plus visuelles et puis des exemples de des cercles qu'on utilise, nous, dans notre gouvernance, qui sont liés à des projets concrets. Donc, la philosophie de Holacracie, c'est vraiment de faire des organisations vivantes. L'idée, c'est d'avoir une gouvernance qui n'est pas figée, et qui bouge au fur et à mesure que l'organisation bouge. Et ça, c'est un concept qui est vraiment intéressant parce que, moi je trouve en tout cas que ça nous apporte une réactivité qui est juste démente, et que ça évite vraiment le problème d'inertie qu'on peut avoir dans des structures et des organisations où tout est prévu à l'avance et rien ne bouge. Donc c'est vraiment se réajuster en permanence, c'est un peu cette idée de faire des itérations en permanence. Dès qu'on se rend compte qu'il manque un rôle, eh ben on en crée un nouveau, on met de l'explicite dessus. Si on se rend compte que des rôles ne servent à rien, qu'on ne les utilise pas, ben on les supprime. Et du coup, la gouvernance, elle bouge en permanence. Ce qui fait que nous, en une année, on a commencé à la base avec un seul cercle dans lequel il y avait tous nos rôles. Et au fur et à mesure que le temps passe, ben on crée des cercles à l'intérieur des cercles et on va de manière de plus en plus affinée vers quelque chose qui correspond exactement à une photographie de l'instant T, de comment on se sent dans notre organisation. Donc ça, c'est vraiment important dans la philosophie Holacracie. L'idée, là, c'est vraiment de ressentir et d'ajuster plus que de planifier. Donc, encore un point commun avec l'agilité, on ne va pas créer des rôles pour prévoir que peut-être dans un futur proche, on va faire ça, si on n'est pas sûr qu'on va le faire. On ne crée des rôles et des cercles que si on en a vraiment besoin. Et ça, c'est pareil, c'est vraiment... on n'a pas du tout envie de perdre du temps et de passer notre vie à faire des réunions pour... faire du design de gouvernance pour le plaisir. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller au plus près de notre réalité, encore une fois. En Holacracie, on parle de tension. Alors, tension, ce n'est pas un gros mot. Ça peut être pris comme un terme négatif pour les gens qui ne pratiquent pas Holacracie, mais en fait, la tension en Holacracie, c'est le potentiel entre la réalité et ce que l'on voudrait. C'est un peu comme l'image d'un arc dont on tirerait la corde. L'énergie, la corde tendue, c'est l'énergie qu'il nous faut pour atteindre notre objectif. Donc une tension, ça peut être à la fois un besoin d'information, il nous manque une info pour avancer dans nos rôles, ça génère une tension, on en parle. Ça peut être une envie de partager une info. On a une super bonne nouvelle à annoncer à l'équipe qui va faire bouger certains projets ou certaines façons de faire de la prospection, par exemple. Ça aussi, c'est une tension et ça n'a rien de négatif. Ou alors encore une prochaine chose, dans mon rôle, j'ai besoin qu'un autre rôle s'occupe d'un projet. J'amène une tension et j'en parle en disant, là, je suis bloquée dans ma mission, j'ai besoin de toi pour avancer.
Voilà, donc ce mot de l'attention, c'est vraiment un vocabulaire très spécifique à Wallacracy. Est-ce que tu peux aller sur la slide suivante? On parle de Wallacracy. Wallacracy, ça vient du terme holos, un holon en grec ancien. Le holon, c'est à la fois un tout et une partie du tout. Et on aime vraiment bien cette image de l'organisme vivant, encore une fois, c'est-à-dire que ces cercles dans des cercles, c'est exactement comme des cellules. Vous prenez le corps humain, par exemple, il est composé de cellules, donc ce sont des parties qui sont à la fois autonomes et interdépendantes. Une cellule toute seule dans l'environnement ne survit pas, elle meurt. Elle a besoin des autres cellules pour interagir et survivre, et en même temps, elle fait sa vie. Une cellule permet de composer un organe. Un organe est lui aussi autonome et interdépendant. Le cerveau ne peut pas fonctionner sans le foie ne peut pas fonctionner sans les poumons, etc. Et l'être humain est composé de tous ces éléments. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une notion d'être à la fois un petit bout d'un tout et d'être à la fois le tout. Cette approche-là, elle est vraiment intéressante parce qu'elle a un côté très systémique finalement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, en tout cas dans une organisation comme la nôtre, on ne peut pas avoir des œillets et être juste un tout petit morceau de l'organisation. On a une vision à la fois précise et à la fois plus large, plus méta de l'organisation. Voilà, ça en tout cas, moi je trouve que ça amène quelque chose de très intégré, en tout cas de très important en tant qu'associé de la SCOP. Je trouve ça hyper enrichissant d'avoir des visions très précises sur des sujets et des visions plus larges. L'idée, c'est qu'on dit que c'est une organisation qui est fractale. J'avais eu l'occasion de parler de ce sujet-là à l'Agile Grenoble et j'avais utilisé la super belle métaphore du brocoli. Et bon, voilà, si vous êtes un peu moins fort en anatomie, pensez à un brocoli où finalement il se répète et ce petit bouquet-là fait partie d'un plus gros brocoli, mais en fait, si on en prend un, ça reste la même structure, la même forme qui pourra se répéter et qui fait corps avec le reste. Donc pour continuer un peu sur Wallacracy, c'est un système de gouvernance. Quand on parle de gouvernance, on parle donc de créer des cercles et de créer des rôles. Les rôles sont à l'intérieur des cercles, et à l'intérieur des cercles, on peut créer des sous-cercles avec des sous-rôles. L'idée, c'est que chaque cercle est auto-organisé. Donc là, sur le petit schéma, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle le cercle d'ancrage, c'est censé être le cercle le plus gros de l'organisation, et des sous-cercles à l'intérieur de ce cercle-là. Tu as peut-être des exemples à nous donner d'ailleurs sur les cercles. Oui, on a notre organisation, c'est Maui, qui est un cercle à l'intérieur duquel on va retrouver d'autres cercles, parce que c'était par exemple des rôles bien particuliers qui avaient besoin de vivre leur vie de manière plus précise et de manière plus interdépendante. Donc on a notre grand cercle, c'est Maui, à l'intérieur duquel on a par exemple un cercle à part entière qui s'appelle le livre. On a pour projet d'écrire un livre, c'est déjà très bien parti, on en est à la relecture. Et donc on a un sous-cercle qui s'appelle le livre, dans lequel on retrouve des rôles qui sont liés à la raison d'être de ce cercle-là. C'est sur la slide d'après, tu peux l'afficher, Jeanne. Celle d'après encore. On va remonter un peu. Voilà. Donc là, vous avez un exemple d'un sous-cercle qui est composé de différents rôles. Donc je m'avance un peu parce que c'est très bien. Donc on a donc des rôles qui sont structurants. T'en parleras sûrement juste après. Juliette, l'idée, c'est qu'on a des rôles qui ont des raisons d'être bien précises. Un rôle existe pour remplir une mission, une attente. On a un rôle, par exemple, plume, qui est un rôle de rédaction, en fait, où on attend que les personnes qui énergisent ce rôle, c'est le vocabulaire utilisé habituellement en Wallacracy, produisent des textes qui soient cohérents, etc., et pour s'assurer par exemple de cette cohérence-là, on a créé un autre rôle qui s'appelle stratégie éditoriale. On a confié à ce rôle la mission de s'assurer de définir une stratégie éditoriale et qu'elle soit bien suivie par les rédacteurs. Je vous ai mis des exemples, si tu peux avancer un peu, Jeanne, on va les voir après, encore après. Voilà. Là, vous avez le détail du rôle stratégie éditoriale, par exemple. Du coup, comme je vous le disais à l'instant, ce rôle a une raison d'être, un livre cohérent, agréable à lire, impactant pour ses Maui. Ce rôle a été créé pour ça.
Il est énergisé par une personne aujourd'hui, donc c'est Alyosha. Ce rôle se définit avec un domaine et des redevabilités également. Les redevabilités, ce sont des choses sur lesquelles ce rôle est redevable vis-à-vis des autres rôles. En fait, pour servir la raison d'être de ce rôle, on attend de lui qu'il fasse un certain nombre de choses. Et donc, ces redevabilités sont détaillées dans un registre, si on peut dire, de la gouvernance. Aujourd'hui, on utilise un logiciel qui s'appelle GlassFrog. Il y a aussi Olaspirit qui existe. Et en fait, c'est un peu là-dedans que sont consignées toutes les décisions de gouvernance. Et on parlera de la suite juste après. L'idée de ce principe de redevabilité, c'est vraiment de nommer de manière très précise ce sur quoi est-ce qu'on attend qu'un rôle agisse. J'ajoute des petits détails sur la raison d'être et les domaines d'autorité. La raison d'être, là, c'est vraiment, en fait, dans la création, on est toujours guidé par la raison d'être. Donc, un cercle a forcément une raison d'être et un rôle a aussi une raison d'être. La raison d'être, c'est vraiment l'étoile polaire sur laquelle on se fixe et c'est finalement l'idéal que le rôle devrait atteindre pour pouvoir cesser d'exister. Donc c'est vraiment quelque part travailler à sa propre obsolescence. Tant qu'on n'a pas atteint sa raison d'être, ben on a une mission qui est utile pour l'organisation. Donc on continue à énergiser notre rôle. Sarah, tu parlais tout à l'heure de domaine d'autorité. Là, pour le rôle stratégie éditoriale, vous voyez que son domaine, c'est la ligne éditoriale. Ça veut dire que c'est lui qui a toute autorité pour définir la ligne éditoriale et qu'une fois qu'elle est définie, à moins qu'il y ait vraiment une nécessité d'en changer, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide de la ligne éditoriale et c'est pas un autre rôle du cercle. Et en fait, ça, en holacratie, c'est une dimension qui est très importante parce que c'est ça qui donne, quelque part, le leadership et l'autorité à des rôles dont les domaines ont été définis. Encore une fois, on ne décide pas de tous ensemble. Si en réunion de gouvernance, on a designé ce rôle et qu'on a tous été OK pour lui attribuer le domaine d'autorité de la ligne éditoriale, après, on ne reviendra pas dessus. Ça veut dire qu'on a tous été d'accord à un moment donné pour dire bah, c'est ce rôle-là qui va nous donner la ligne à suivre. Et du coup, ça confère au rôle une autorité et une légitimité pour faire sa mission qui est très puissante parce qu'elle a été décidée par le groupe qui fait partie du cercle en question. Le cercle qu'on a décrit tout à l'heure, qui est le cercle libre, qui nous sert à mener notre projet de rédaction d'un livre écrit à 6 mains, donc avec tous les membres de l'entreprise. Et juste pour boucler sur cette idée de domaine, donc vous avez compris que c'est un peu un principe de chasse gardée pour un rôle. Si jamais ça crée une tension à un des rôles rédacteurs parce qu'il n'est pas en phase avec la ligne éditoriale ou qu'il estime qu'on est en train de prendre un risque, ben en fait, il va pouvoir re-questionner soit en s'adressant directement au rôle, soit en demandant en réunion de gouvernance à modifier le domaine, ce périmètre d'autorité du rôle. Et ça se fera en question en réunion de gouvernance. On a un autre rôle détaillé juste après qui est le rôle auteur. Voilà. Ah ben super. Donc là, petite spécificité et différence par rapport au rôle précédent. Vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui énergisent ce rôle. On peut être plusieurs sur un rôle. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui énergisent ce rôle sont redevables de l'ensemble du rôle. Ça veut dire que toutes ces personnes servent une même raison d'être à un livre écrit. Toutes ces personnes contribuent dans leur rédaction à ce que les livres soient écrits. Et elles sont redevables de toutes les redevabilités, chacune d'entre elles. Il n'y a pas un choix ou une sélection dans les redevabilités. Et c'est en ça que du coup, en réunion de gouvernance, on cherche à susciter une adhésion, certes, mais surtout de l'efficacité. Et ces personnes acceptent de s'engager sur un rôle qu'elles jugent, ben, encore une fois, utile, nécessaire, au service de la raison d'être. Voilà, sur ce rôle-là. Et vous voyez que là, bah, son domaine, donc c'est son domaine d'autorité, ce sur quoi il a une action particulière, ce sont les textes du livre. Maintenant, on va parler des rôles élus et du rôle leader de cercle, qui a un rôle très particulier. Alors, le rôle leader de cercle, c'est pas un rôle qui est élu par élection sans candidat. En fait, en holacratie, on a des rôles qui sont élus en élection sans candidat, ce sont les rôles de facilitateur et de secrétaire.
Et le rôle leader de cercle, lui, n'est pas élu par élection sans candidat. Donc, il est désigné dans le cercle d'ancrage, il est désigné par les membres du cercle. Et après, pour les sous-cercles, c'est le leader du cercle qui désigne les leaders des sous-cercles. Ici, le leader de cercle, il a un rôle assez particulier parce que c'est lui qui détient la raison d'être de l'ensemble du cercle. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que, quelque part, c'est à lui de s'assurer que l'ensemble des rôles du cercle ne perdent jamais de vue cette fameuse raison d'être qui sert à l'ensemble des membres du cercle à être alignés, en fait. Alors, quand je dis membres du cercle, c'est pas la bonne expression, c'est plutôt les rôles. On a défini une raison d'être pour ce cercle-là, tout le monde doit la connaître et tout le monde doit s'assurer de rester dans le respect de cette raison d'être. Le jour où on se sent plus connecté à cette raison d'être, ça veut peut-être dire que on n'a plus envie d'énergiser un rôle qui fait partie de ce cercle-là. Donc, l'avantage de mettre de l'explicite là-dessus, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on n'était pas au courant. Il a un domaine dédié, c'est l'affectation des rôles du cercle, donc c'est le leader du cercle qui désigne les personnes qui vont énergiser les rôles. Quand on dit que c'est son domaine, il n'y a que lui qui peut les affecter, mais vous pouvez un peu vous organiser comme vous le souhaitez. Nous, on a différentes façons de faire. Par exemple, sur certains sujets, quand le leader de cercle sent que il y a une personne qui serait vraiment adaptée pour des questions de personnalité ou d'agenda ou de compétences, il lui propose. On n'est pas obligé de dire oui, mais en général, c'est un gage de reconnaissance, donc on a tendance à dire oui, sauf si on n'a vraiment pas le temps ou qu'on ne se sent pas d'énergiser ce rôle-là. Ou alors, parfois, quand un rôle est créé, ça arrive qu'on s'auto-désigne et qu'on se manifeste auprès du leader du cercle et qu'on lui dise « Moi, ce rôle-là, il me branche bien, j'aimerais bien l'énergiser, est-ce que tu veux bien me mettre dedans ?» Donc ça produit quelque chose d'intéressant aussi, c'est que chaque organisation s'organise comme elle le souhaite. Et enfin, les redevabilités principales de ce rôle-là, c'est donc d'affecter les rôles. On dit d'allouer les ressources disponibles pour que le cercle puisse mener à bien ses différents projets. Les ressources disponibles, c'est de dire « Ok, on repriorise tel projet et toi, tu vas mettre plus de temps là-dessus parce que c'est la priorité. » Ou alors, des ressources monétaires. On a besoin de tel budget pour tel projet, c'est le leader de cercle qui va allouer le budget. Et il établit évidemment les priorités, les stratégies du cercle pour que l'ensemble des rôles sachent dans quelle direction ils vont, pour savoir comment est-ce que les rôles priorisent entre eux les actions qu'ils ont à faire. Tu vois quelque chose à ajouter là-dessus ? Petite subtilité, le rôle de leader de cercle, il se retrouve donc dans notre cercle d'ancrage. Il est aussi présent dans les différents sous-cercles. C'est pas la même personne, pas nécessairement. Un leader de cercle, c'est un des rôles structurels, donc ça veut dire que c'est un rôle qu'on va retrouver dans chacun des sous-cercles et qui sera énergisé par des personnes différentes. C'est pas nécessairement la figure d'autorité ou une personne qui aurait une casquette de manager qui sera leader de cercle. Ça peut aussi tout à fait être quelqu'un d'autre, d'un membre d'une équipe. Merci pour ce complément. On va avancer sur la prochaine slide et là, on va parler du rôle de facilitateur. Le rôle de facilitateur en holacratie, c'est un rôle qui est très important. Vous l'aurez compris, holacratie, c'est un processus qui est assez précis. Il y a des règles très explicites et avec des façons de faire. Donc, on a plusieurs formats de réunion. Je vous rentrerai un peu plus dans les détails juste après. Quand on a bientôt fini, je vous inquiétez pas. Après, vous pourrez poser des questions. Donc, le facilitateur, il est présent dans chaque cercle et lui, pour le coup, il est élu par élection sans candidat. Donc, sa raison d'être, c'est de faire en sorte que les règles de facilitation d'holacratie soit respectée. On a deux formats principaux de réunion en holacratie, c'est le triage et la gouvernance. La gouvernance, c'est pour designer les rôles, les modifier, en ajouter, en supprimer. Le triage, c'est vraiment pour l'opérationnel. Les rôles se réunissent, ils amènent des tensions opérationnelles et ils avancent. Le facilitateur, il a un rôle à jouer dans ces deux types de réunions. Et du coup, dans ses redevabilités, il n'en a pas beaucoup. Il a principalement deux redevabilités. Donc la première, c'est de faciliter les réunions du cercle qui sont requises par la Constitution. Et ensuite, c'est d'auditer les réunions et les registres du sous-cercle au besoin. Donc ça veut dire que si le facilitateur détecte des comportements anticonstitutionnels, il a le droit de le signaler au cercle. Ce rôle-là, il est important parce que, en fait, dans holacratie, ce qui fait l'efficacité de cette gouvernance, c'est le respect de la règle. Et le facilitateur, il a cette mission d'accompagner les rôles
à trouver des solutions. Ce n'est pas lui qui propose les solutions, mais il est là pour proposer un processus qui aide chaque rôle à trouver sa propre solution. Le facilitateur ne saura jamais, à la place d'un rôle, ne saura jamais mieux que lui de quoi il a besoin. Il peut avoir un avis, mais il doit garder une neutralité, ça c'est hyper important en holacratie. Et au même titre qu'il y a un leader de cercle dans chaque cercle, il y a aussi un facilitateur dans chaque cercle. Je vous disais qu'il est élu sans candidat, et ça aussi c'est une notion qui est assez importante en holacratie. On parle d'empowerment, donc de capacité à ce que les rôles prennent toute leur autorité et leur pouvoir d'agir. Le fait d'élire un facilitateur sans candidat, ça donne une légitimité à la personne qui est élue, qui est assez puissante, parce qu'en fait, à la base, personne ne s'est présenté, et ce sont les membres présents qui décident de qui est le plus à même pour eux d'être facilitateur. Avec le système d'élection vient un mandat qui peut être déterminé exactement comme vous le voulez. Si vous avez envie de changer de facilitateur tous les mois, vous pouvez. Si vous voulez le garder 6 mois ou 1 an, vous pouvez aussi. Nous, à Semaoui, on a fait un choix qui est un peu entre les deux. On fonctionne plutôt sur des mandats de 6 mois parce qu'on a une volonté de tous passer par ce rôle-là pour savoir ce que ça fait de faciliter et pour bien intégrer les règles du jeu plus vite et avancer vraiment dans notre acculturation et notre formation interne. C'est bon pour toi ? Ouais, carrément. Voilà, donc ça, c'était vraiment pour vous parler des rôles structurels. Juste avant de rentrer en détail sur ce qu'on trouve que ça amène, je termine juste sur la notion de réunion de triage. On a beaucoup parlé de gouvernance et des réunions de gouvernance jusqu'à présent. Le triage, c'est un moment qui est vraiment intéressant parce que déjà, le principe de base, c'est que on crée une réunion de triage pour un cercle. Donc, ce cercle a une mission. Là, on vous a parlé du cercle livre. On en a plein d'autres à Semaoui. Par exemple, on a un cercle qui s'appelle organisme de formation parce qu'on est un organisme de formation. Donc, tous les rôles à l'intérieur du cercle, pendant une réunion de triage, ils vont parler que de l'opérationnel, de ce sujet qui est la formation. Et dans une réunion de triage, on peut décider de prendre des actions ou des projets. Donc, c'est vraiment connecté, très connecté à la gestion de projet et à la vie opérationnelle de nos rôles, la vie quotidienne. Et ça amène une capacité d'agir extrêmement vite et de manière vraiment efficace. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une confiance qui est donnée au rôle du cercle. C'est qu'en démarrage d'une réunion de triage, on n'a aucune idée des points qui vont être abordés. L'ordre du jour, en fait, se fait avec les rôles qui sont là. Et on a toute confiance aux rôles qui sont présents pour amener les points et du coup les tensions, je reviens sur ce mot précis, qu'ils ont besoin de résoudre pour avancer. Donc c'est vraiment des réunions qui peuvent être vraiment ultra courtes et en moyenne à Semaoui, en général, nos réunions de triage, elles ne dépassent pas 1 heure. Tous les rôles ne sont pas forcément là, il arrive que des fois des rôles soient absents parce qu'ils ne sont pas disponibles, enfin les personnes qui sont dans les rôles ne sont pas disponibles, ça ne nous empêche pas d'avancer. Et par exemple, dans une réunion d'une heure, on peut traiter jusqu'à 20aine de points. Donc ça vous donne un ordre d'idée du temps moyen qu'on passe par point. Il y a des points qui sont et puis il y en a d'autres qui sont réglés en 1 minute et demie. Et l'avantage, c'est que comme le facilitateur s'occupe uniquement de la personne qui a amené son point, ça nous fait avancer en fait. On ne prend pas de temps à débattre, à reposer des questions. S'il y a des choses qu'on n'a pas compris, on peut amener une tension et poser une question. Et on s'en occupe au fur et à mesure. Et chaque personne, une par une, peut amener ses sujets et le facilitateur s'en occupe une par une. La réunion de triage, vraiment l'idée, vous pouvez avoir en tête l'image d'une gare avec des trains qu'on va trier, qu'on va orienter. L'idée, c'est vraiment d'avoir une vision très opérationnelle de qu'est-ce qui se passe dans ce cercle, quels sont les sujets chauds du moment, les nouvelles, comment ça avance sur les différents projets. Et là, on parle bien de projet et pas d'objectif. L'idée, c'est vraiment d'atteindre un résultat, un rendu sur un rôle qui s'est engagé à mener un projet. Ce que je trouve hyper intéressant dans la réunion de triage, c'est qu'on s'adresse de rôle à rôle. Et ça, je trouve que c'est une clé vraiment d'efficacité dans les différentes redevabilités de chacun des rôles. Et ça permet vraiment d'avoir de la légitimité dans un rôle où moi, je me suis engagée sur telle et telle redevabilité. Pour les mettre en œuvre, j'ai besoin de ça et ça.
je m'adresse à tel rôle pour ça. Enfin, on pourra détailler un peu plus avec des cas concrets si vous avez des questions sur le sujet, mais voilà, l'idée, c'est vraiment que le triage, c'est opérationnel, on traite le flux, on a une vision de l'activité d'un cercle, et la gouvernance, c'est on modifie, on supprime, on crée des nouveaux rôles pour le fonctionnement de l'organisation. C'est les deux concepts clés. On peut passer à la slide suivante. Du coup, là, on termine juste sur ce que nous a apporté Holacracy. Et peut-être, Sarah, je te laisserai faire un parallèle entre agilité et Holacracy. Après, on aura terminé notre prise de parole et on pourra répondre à vos questions. Du coup, le premier sujet qu'on a détecté, que nous a vraiment amené l'Holacracy, c'est l'autorité, à la fois l'autorité et la responsabilité. Dans un rôle, on a toute autorité pour mener à bien une mission. On n'a pas besoin de la validation de qui que ce soit. Ça fait partie du contrat de confiance qu'il y a en Holacracy. Quand on crée un rôle et qu'on lui donne une mission, ça veut dire qu'on accepte de lui faire confiance et que cette personne a 100% d'autonomie, sauf pour dépenser de l'argent, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est dédié au leader de cercle, elle a besoin de cette validation-là. Mais l'idée, c'est que le rôle, elle a une liberté totale pour mettre en œuvre et s'organiser comme elle le souhaite. Si elle a besoin de l'aide d'autres personnes, elle fait appel à ces personnes. Mais il faut juste que ce rôle s'assure que la mission est vraiment menée à bien. Pour nous, ça a été vraiment hyper important parce que comme on est associé salarié de la SCOP, on a ce double statut où on est porteur de notre projet, donc on n'est pas juste là. Pour nous, on est dans le même bateau, donc si on veut que ça marche, c'est qu'on est quand même associé. Et ça a vraiment une puissance. Vous voyez le titre de la slide, c'est « Pouvoir d'agir et self-management », c'est vraiment ça. L'idée, c'est vraiment d'avoir le libre arbitre qu'on devrait tous avoir dans le monde du travail. Et là, l'idée, c'est vraiment de rendre ce pouvoir-là à ceux qui font. La deuxième chose que ça nous a amené, c'est donc la liberté d'agir. En Holacracy, il y a un principe qui est assez fort, c'est que tout ce qui n'est pas explicitement interdit est autorisé. Si on ne t'a pas écrit dans ton rôle ou dans ton cercle une politique qui limite ton domaine d'autorité ou tes redevabilités, tu peux mettre en œuvre ce que tu veux. Condition que ça n'aille pas grignoter sur le périmètre d'autorité d'un autre rôle. Voilà. Sauf en cas d'urgence extrême, bon ça on va dans les détails de la Constitution, mais en cas d'absence d'un rôle ou d'indisponibilité et qu'il se passe quelque chose de vraiment urgent ou qui pourrait être grave, on a le droit de prendre une initiative, même si c'est dans le domaine d'autorité d'un autre rôle. Mais ça, c'est vraiment des cas exceptionnels. Et enfin, il y a un troisième sujet qui, moi, je trouve est assez intéressant, c'est la créativité et l'engagement. En tout cas, moi, je le constate, quand on me confie un rôle, comme j'ai toute liberté pour énergiser mon rôle, ben, en même temps que l'autorité et la responsabilité, ça me donne envie d'être créative et de m'engager. Donc, parce que c'est à moi de mener à bien la mission, et l'organisation est OK pour que ce soit moi, et on s'est tous mis d'accord sur qu'est-ce que faisait ce rôle. Et du coup, ça donne vraiment envie de réfléchir aux améliorations futures. Et ça, c'est pareil, on s'organise comme on a envie pour travailler sur ces améliorations. Et ça peut se lier directement à l'agilité. On peut dire, dans mon rôle, j'ai mené à bien tel projet, je vais faire une rétro avec toute mon équipe pour trouver des nouveaux sujets d'amélioration, ou je vais utiliser une autre technique de facilitation pour essayer de trouver de nouvelles idées et avancer dans mon rôle. Ou alors, j'ai des idées toute seule et j'avance. Mais c'est moi qui m'organise comme je le souhaite. Donc ça, c'est vraiment les trois points forts que nous ont amené l'Holacracy. Ouais, ce que je vois aussi là sur cette idée d'auto-organisation, c'est vraiment un principe que j'aimais déjà beaucoup dans vraiment les idées fortes de philosophie agile, de laisser un groupe trouver ses propres solutions et s'organiser comme il le souhaite pour mener à bien une mission. Et ça, on le retrouve vraiment dans Holacracy, qui vient légitimer en fait ce pouvoir d'auto-organisation. Très clairement, Holacracy repose, donc, comme l'a dit Juliette, sur une constitution. Il y a cette idée d'engagement où lorsqu'on adopte ce système, on le signe, en fait, on s'engage, et ça veut dire qu'on reconnaît cet outil comme outil qui je trouve pas mes mots, mais comme outil qui sera le garant en fait des règles qu'on applique les uns envers les autres. Et du coup, ce que je vois comme vraiment
Ouais, super confortable et apaisant, je crois aussi, c'est de reconnaître la légitimité de chacun des rôles et qu'on est OK avec le fait qu'ils s'organisent chacun comme ils le souhaitent pour mettre en place leur redevabilité. Je trouve que c'est assez réjouissant d'avoir ce champ de liberté. Ce que je vois aussi comme pont assez satisfaisant avec l'agilité, c'est le principe de tension. En fait, le facilitateur va s'intéresser, par exemple, en triage, à prendre soin de la tension d'une personne, d'un rôle, ce qu'il apporte, et il va pas s'en détourner. Et je trouve que ça rejoint un peu cette idée de mettre au cœur de la valeur le client, au cœur d'une expérience, d'un processus. Bah là, c'est une tension parce que finalement, elle est portée par un rôle qui a toute sa place dans l'organisation. Et ça, je trouve ça aussi assez plaisant de savoir qu'en fait, une tension, quelle qu'elle soit, elle est légitime, elle peut être apportée et elle sera portée dans un cercle pour essayer de lui trouver des solutions. Et ça ne veut pas forcément dire que parce que j'apporte une tension, je dois avoir la solution, sinon ce ne serait pas une tension, mais qu'on peut faire confiance au processus et aux autres membres du cercle qui sont présents pour trouver une meilleure approche pour dépasser cette tension. Voilà pour ça. Ça peut être déjà un bon point de départ. En tout cas, ce que je vois aujourd'hui, c'est que si on a adopté Holacracy, c'est bien pour la solidité et l'autorité que ça pouvait donner au rôle et la robustesse des décisions qui pouvaient être prises, notamment sur des contextes ou dans des relations particulières comme la relation d'associé où on va être peut-être appelé. On est amené, par exemple, à parler de rémunération, qui est un sujet qui peut être un peu tendu. Et ben, on se rend compte que, en suivant nos processus, on arrive à avoir des conversations qui soient vraiment apaisées et authentiques, puisqu'on s'exprime dans cette légitimité de rôle. Et ouais, ça, je trouve que c'est une vraie clé de fonctionnement. Juste pour terminer, ouais, sur ouais. Du coup, la complémentarité qu'on a gardée, et puis après, c'est on va prendre la question. Ouais. On n'a pas arrêté de faire de l'agilité, on a vraiment gardé des choses de l'agilité. On s'épanouit vraiment dans l'holacracie, vous l'aurez compris. Mais il y a des endroits où l'holacracie ne dit rien sur comment on travaille une vision, ou alors comment on trouve des solutions à plusieurs, comment on travaille sur l'amélioration continue. Et c'est pour ça qu'on a entre autres gardé les trois formats qui nous semblaient les plus importants, qui sont le forum ouvert pour vraiment bosser notre engagement dans notre scope, ce qu'on a envie de faire l'année prochaine, à plus 5 ans, dans 10 ans, comment on voit notre relation d'associés. Donc Holacracy ne dit rien là-dessus. Et aussi on a gardé toutes nos méthodes de facilitation en intelligence collective, qui sont inspirées plus ou moins de l'agilité ou parfois qui viennent d'autres courants. Mais on a notamment gardé les rétros pour continuer à s'améliorer en équipe. Et on a gardé la mêlée quotidienne, mêlée qu'on fait tous les jours depuis 5 ans. Il ne se passe pas une seule journée sans qu'on fasse une mêlée, ou alors il faut vraiment qu'on soit tous ultra occupés et pas du tout disponibles. Mais c'est vraiment un truc qu'on a gardé et qui pour nous est un élément marquant de notre journée et qu'on a réussi à garder court, efficace, avec dans lequel on se file de l'info, et mêlée qui du coup est associée à nos rôles maintenant, donc ça clarifie encore plus. Voilà, donc on joue comme ça, on s'amuse à mettre un peu au compost certaines choses, à recycler, à twister un peu, à revoir, à adapter à notre façon. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ouais. Allez, on est prêts. Est-ce que vous avez des questions? Merci à toutes les deux. On a déjà quelques questions qui sont arrivées. Je vais vous les poser. Et puis, pour les autres participants, n'hésitez pas à utiliser le petit bouton Q et R pour m'envoyer vos questions. Une première question d'abord qui est: pourquoi est-ce qu'il y a ce concept de cercle plutôt qu'une grille sur Excel qui remplirait la même fonction? Et est-ce que par ce biais-là, l'idée est d'introduire l'idée d'équipe? Okay. Bah, ouais. Je crois que le fait que les cercles, je crois que déjà un intérêt majeur que je... Donc, je n'ai pas construit Holacracy, donc je serais bien incapable d'expliquer pourquoi le concept de cercle, mais je m'y retrouve assez bien au sens où c'est une matrice très visuelle dans laquelle on peut glisser des rôles
et en fusionner d'autres, ou alors vraiment avoir cette vision globale et fractale des cercles dans des cercles. Chose qui, à mon avis, serait peu digeste sur une feuille Excel. J'avoue assez peu affectionner ce format-là. Non, ce qui est important de voir quand même sur cette structuration de cercle, c'est qu'elle n'est pas, elle est pas faite au hasard. C'est un ensemble qui peut accueillir des rôles et d'avoir une granularité plus fine au sein des cercles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une porosité en fait d'un cercle à un autre. Peut-être là-dessus, Juliette, t'as envie d'en dire quelque chose sur la capacité qu'a un cercle à interagir avec d'autres cercles, d'autres rôles. Et j'ai l'impression que de le voir matériellement, en fait, ça facilite la compréhension de ça. Ouais, bah, sur la notion de porosité, déjà, il y a un rôle dont je ne vous ai pas parlé, c'est le représentant de cercle. Dans chaque cercle, il y a une personne qui est censée représenter le cercle et remonter au cercle d'en dessous les besoins du cercle qu'il ne peut pas faire seul, comme par exemple avoir des ressources affectées. Donc ça, c'est vraiment important aussi. Je pense que ça vaudrait le coup, Jeanne, que tu partages notre Glassfrog, si tu peux prendre 2 minutes pour faire ça. Glassfrog, c'est le logiciel qui nous permet donc d'encoder notre gouvernance, dans lequel la totalité de nos décisions sont prises et dans lequel on retrouve tous nos rôles. Et en fait, si on vous le partage, vous allez voir que c'est assez, comme le disait Sarah, c'est assez visuel, ça permet de voir quels sont les sous-sujets qu'on a à traiter. Et en fait, on peut se promener dedans, zoomer, dézoomer. Et la porosité qu'il y a entre les cercles, c'est qu'au quotidien, on ne va pas attendre qu'il y ait une réunion de triage d'un autre cercle qui est dans le même cercle que nous pour aller parler au rôle et lui dire ce dont on a besoin. En fait, au Lacracine... ah ben voilà, on voit. Si tu double-cliques sur... Ah, ok. Donc là, en fait, on voit notre cercle. Voilà, super. Ça, c'est le cercle Semawi. Donc, le gros cercle que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le cercle d'ancrage. Et à l'intérieur de ce cercle-là, il y a plein d'autres cercles. Donc, on a un cercle admin, on a un cercle Hermès qui est pour notre prospection, le fameux cercle Le Livre dont on vous a un peu plus parlé en détail. Un cercle Synergia, c'est pour nos partenariats. Voilà, vous voyez qu'on a plusieurs cercles. Et en fait, le fait de faire des cercles dans des cercles, ça nous permet quand même de garder une idée assez précise de qu'est-ce qu'on met dedans et de ne pas mélanger tous les sujets. Donc ça, c'est un cercle accompagnement, par exemple, parce que notre métier, c'est d'accompagner les organisations. À l'intérieur de ce cercle-là, on a choisi de mettre notre cercle dédié à la formation, parce que pour nous, c'est une façon d'accompagner les organisations. Et dans ce cercle-là, on va parler que de nos métiers, de nos prestations, de la façon dont on accompagne nos clients et des rôles dont on a besoin pour le faire. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de visuel, de facilement compréhensible, de dynamique. Et c'est vrai que moi non plus, j'affectionne pas les fichiers Excel. Mais si jamais vous avez une idée pour proposer une version dynamique et sympathique d'Excel, pourquoi pas? En tout cas, nous, on trouve que garder cette idée d'organisme vivant avec des cellules dans des cellules dans des cellules, ben, ça a un sens qui nous fait vraiment comprendre la dynamique de composition d'une organisation. Et si tu dézoomes un petit peu plus, Jeanne, on a bien, donc là on part d'un niveau tout petit où on avait un sous-cercle dans un cercle, donc le sous-cercle OF qui était dans accompagnement qui est un sous-cercle de Semawi. Et si on recule encore un petit peu plus, on voit que Semawi fait partie d'un autre cercle qui s'appelle Kaozen, dans lequel on trouve d'autres rôles et une autre organisation qui s'appelle Evolve. Et là, c'est vraiment un choix de faire un partenariat complètement intégré avec une structure qu'on pourrait considérer classiquement comme concurrente, en fait, mais avec qui on a vu des belles synergies de travail et avec qui on mène des projets communs. Par exemple, il y a un cercle qui est dédié à la réponse à appel d'offres que l'on fait ensemble. On a pu faire ça puisque cette autre organisation, Evolve, fonctionnait elle aussi en holacratie. Et ça donne un peu une autre perspective à la collaboration et la coopération dans un monde économique. Merci, on a plein d'autres questions qui arrivent. Okay. Notamment une question assez simple qui serait quels seraient les premiers pas pour introduire Holacracy dans une organisation qui a une culture plutôt pyramidale? Et ben, un premier pas peut-être assez accessible, c'est de lire. Il y a deux chouettes ouvrages vraiment pour commencer à s'approprier ces concepts et les faire
tourner, enfin les approprier dans une équipe, à savoir il y a une bande dessinée Holacracy, peut-être Jam tu pourrais partager les références. L'idée c'est d'expliciter un peu tous les concepts qu'on vous a livrés en 40 minutes, peut-être sur un rythme un peu effréné, mais de bien comprendre voilà, quelles sont les dynamiques, comment ça fonctionne. Je dirais que cette BD là c'est un super point de départ pour faire connaître le concept. Un autre livre sur la révolution holacratique, comprendre un petit peu comment est-ce que ça se met en œuvre. Ça c'est un bon début. Après, il y a quand même un enjeu qui est, je pense, assez important. Je ne sais pas quel est l'état d'esprit de cette organisation pyramidale dont vous parlez. Soit vous pouvez faire tester Holacracy dans une petite unité, dans un service qui pourra essaimer exactement comme plein d'organisations l'ont fait pour l'agilité en fait. L'idée c'est de tester et de montrer par l'exemple, d'inspirer avec des gens qui ont vraiment vécu la chose sans essayer de vendre un concept qui reste un peu flou. Donc ça peut être intéressant d'essayer d'introduire par là. Et il y a quand même un élément qui est hyper important, c'est l'adhésion du comité de direction. C'est pas toujours facile de les faire switcher et de voir l'intérêt qu'ils ont à pratiquer Holacracy. Nous, quand on en parle, en général, on essaye de faire comprendre qu'en fait, toutes les couches de management intermédiaire ont vraiment un intérêt à aller vers l'Holacracy parce qu'ils peuvent faire évoluer leur posture et leur mission vers quelque chose de moins qui ressemble moins au sachant et à la personne sur laquelle, finalement, on met toute la pression parce qu'elle doit répondre à toutes les questions et trouver toutes les solutions. Holacracy permet vraiment de distribuer ça et de redonner le pouvoir d'agir à ceux qui font. Et en fait, il y a un intérêt quand même pour les comités de direction de se délester un peu et de se concentrer sur peut-être plus de stratégie et moins de résolution de problèmes. Ouais, et puis je rajouterais aussi que... Ah pardon, l'idée est partie. Ah, je vais revenir. Ça reviendra plus tard. C'est bon pour toi ? Désolée. Pas de problème. Une autre question, est-ce que vous vous êtes fait accompagner ? Non. Non, on ne s'est pas fait accompagner à proprement parler. Je dirais qu'on s'est appuyé sur tout ce bagage qu'on avait de notre pratique de l'agilité, les influences qu'on a pu avoir avec l'entreprise libérée, avec des influences de type pédagogie Montessori, ce genre de choses qui nous ont fait cheminer et notamment sur la posture du facilitateur. Je crois que ça, c'est quelque chose qui a vraiment été amené par la gestion de projet, la gestion d'équipe avec l'agilité. Et on s'est, dans un premier temps, vraiment appuyé sur ça. Donc, ça a reposé pendant longtemps, c'est notre facilitateur qui a été un peu notre point d'ancrage pour mettre en place des nouveaux formats. Et après, ça a été une mise en œuvre, je dirais, autodidacte. Chez nous, ça a suscité, l'Holacracy a suscité une grande adhésion, puisque comme je vous l'expliquais au début, on était arrivé un peu dans ces attentes qui n'étaient pas satisfaites, où on sentait bien que pour notre propre bien-être interpersonnel, il fallait qu'on aille vers plus d'explicite, vers des choses qui soient plus limpides, plus partagées, qui nous permettent d'évoluer. Et en ça, l'adhésion rapide de tous a permis de s'approprier Holacracy, de le mettre en œuvre. Donc après, ce qui file des rencontres et de notre cheminement dans Holacracy, on a aussi beaucoup échangé avec des pairs. Et ça a été une chouette source d'inspiration de voir comment ça pouvait être mis en œuvre chez d'autres, comment est-ce qu'on en parlait avec des personnes qui pratiquent la sociocratie, de voir un peu quelles étaient les différences, et on a cheminé un peu chemin faisant comme ça. Oui, j'ajoute deux choses, c'est que je pense qu'on a pu avancer vite sur ce sujet parce que on a tous été d'accord, tous les Suisses, pour y consacrer du temps et s'y mettre pleinement. On a laissé personne derrière, en fait, personne traînait la patte. Donc ça nous a beaucoup aidé. On a multiplié les occasions de pratiquer en faisant des échanges de facilitation. Là, vous voyez qu'on fait partie d'un cercle qui s'appelle Kaosen. On va régulièrement faciliter des réunions chez Evol en ayant vraiment la posture la plus neutre possible, vu qu'on n'est pas à l'intérieur de leur organisation. Donc, il y a une vraie confiance et un respect de la confidentialité dans nos deux organisations. Donc, ça, c'est vraiment des espaces formidables de pratique.
Et la dernière chose que j'ajoute, c'est que quand même, soyons honnêtes, au bout de plusieurs mois de pratique, on est arrivé à un seuil qu'on avait du mal à dépasser. Et là, on s'est fait accompagner par quelqu'un qui est coach en holacratie et qui est venu passer 3 journées avec nous pour nous faire du feedback en direct et qui nous a fait de la supervision et une sorte d'immersion. Donc, on s'est fait accompagner, mais quand on avait déjà fait un bout de chemin et quand on arrivait à nos propres limites de compréhension de la règle sans avoir quelqu'un d'expert sur la question. Voilà, donc on s'est quand même fait un peu accompagner, mais pas au début. Une question un peu technique sur l'élection sans candidat, mais après je passerai plus à des questions sur l'organisation rôle et ça. Mais Céline nous pose la question, lors des élections, est-ce que les candidats ont un programme ? Ben non, puisqu'ils ne sont même pas candidats. Il n'y a pas de candidat. Ouais. L'élection sans candidat, elle n'a donc pas de candidat. Elle se déroule classiquement autour d'une table avec les différentes personnes. Par exemple, prenons notre webinaire. Avec les membres du CARA, on a besoin d'un rôle, d'un lead pour notre rôle apéro. Et donc, on a besoin d'un leader de cercle. On va commencer par lister les qualités qu'on reconnaît à ce rôle. Quelles sont les qualités qu'on attend de la personne pour énergiser ce rôle. Ça, c'est un peu la première étape. Personne ne se manifeste comme souhaitant avoir cette position-là. Et ça va être un vote anonyme, mais caché. Jeanne vote pour Juliette, Sarah vote pour Alex. Bref, le facilitateur anime ce temps d'échange et dévoile les votes. Juste après ça, on demande à chaque personne pourquoi elle pense que Jeanne est la meilleure placée pour être leader de notre apéro. Et en fait, ça, pareil, ça donne de la légitimité. C'est-à-dire qu'on ne vote pas comme ça au hasard. On vote parce qu'on pense que quelqu'un a toutes les qualités requises. Et après, c'est au rôle de facilitateur de faire tout le tour du cercle. Et peut-être que les arguments de certains vont faire bouger les votes d'autres personnes. En fonction de s'il y a une personne qui ressort plus qu'une autre, le facilitateur va proposer un nom et après on utilise la gestion intégrative, la prise de décision intégrative. On vous en a pas parlé là, mais ça fait partie de la façon de décider à plusieurs qui est utilisée en holacratie, où on va vraiment aller chercher ce qu'on appelle des objections. Et l'objection, c'est pas juste pas être d'accord, c'est si on a une objection, c'est qu'on pense que prendre cette décision constitue un danger pour l'organisation ou pour le cercle. Donc, moi, je peux objecter que Alex soit leader de l'apéro parce que je pense que si c'est lui, ça va être vraiment dangereux pour nous. Et il faut que j'aie une bonne raison. Donc, voilà. L'idée, c'est vraiment de donner de la légitimité à quelqu'un qu'on a amené. La personne peut évidemment refuser. Elle n'est pas obligée de dire oui, j'accepte d'énergiser ce rôle si elle ne s'en sent pas capable. Et dans ce cas-là, c'est au facilitateur de continuer le processus pour essayer de proposer à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, si on reprend les étapes, peut-être en synthèse, l'élection sans candidat, elle est facilitée. On commence par lister les qualités, un vote qui est fait par chacun des membres, puis dépouillé par le facilitateur. Chaque personne peut justifier son vote. Une fois que le tour de table est terminé, on peut déplacer son vote. Et après, le facilitateur, fait la proposition de pouvoir le poste à la personne qui a eu le plus de votes. Et le tour d'objection valide le fait que la personne va bien pour ce poste-là si elle l'accepte. Donc, ni candidat ni programme, ça permet de laisser la porte ouverte à l'élection de personnes qu'on n'aurait sûrement pas soupçonnées. Oui, c'est ça aussi qui est super intéressant, c'est que ça permet d'offrir une place à quelqu'un qui a une appétence ou qu'on sent tout à fait capable d'aller sur un rôle, mais qui ne se serait sûrement pas manifesté seul parce que c'est parfois intimidant d'être avec d'autres personnes, parce qu'il y a une figure hiérarchique présente dans la salle qui, sans forcément le vouloir, impulse une certaine forme de jeu de pouvoir, en fait. Et vraiment, l'intérêt, c'est de faire émerger d'autres formes de leadership. Et ça conforte vraiment les personnes dans les
dans les rôles qu'elles prennent par la suite. Merci. Un participant nous fait habilement remarquer qu'à Semawi, nous sommes 6, mais qu'il y a beaucoup plus de rôles et de scènes. Pourquoi oui. cette distinction? Pourquoi autant de rôles plus que de personnes? Oui, bah ça, c'est la question. La question. Bah, si vous voulez, en holacratie, l'intérêt de s'exprimer en rôle, c'est que on part du principe que les rôles ne sont pas des personnes, qu'un rôle peut être occupé par plusieurs personnes et qu'une personne peut occuper plusieurs rôles. Et en ça, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans une histoire d'organisation comme la nôtre, qui n'est pas très grande, où on a beaucoup d'énergie à mettre dans notre projet d'entreprise, on peut imaginer qu'il y a des rôles qui tournent, qu'au bout d'un moment, bah, y a un rôle qu'on énergise depuis 3 ans, on n'a plus trop envie de le faire, et il y a quelqu'un d'autre qui se sent capable de le faire, et donc on va switcher, hop, on va changer de personne qui occupe le rôle. Là, on vous a montré notre organisation, alors comme ça, quand on ne connaît pas, ça fait peur, on se dit « Oh my God, il y a plein de rôles, mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Bah, en même temps, c'est une forme de réalité, c'est-à-dire qu'on a mis de l'explicite sur la totalité des actions que chaque personne fait dans l'organisation. Et en fait, c'est du boulot. On bosse 5 jours par semaine, 8 à 10 heures par jour, c'est pas rien. Et on a des missions qui sont très précises, qui vont de l'accompagnement de nos clients à une partie qui, plus pour s'occuper de notre communication, notre comptabilité, notre administratif, les projets qui nous font rêver, l'organisation de nos forums ouverts. Ça peut faire l'objet d'un cercle. Et il y a des cercles qui peuvent disparaître quand des projets se terminent. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, une organisation n'est pas figée. À un instant T, à une photographie T, l'organisation aura plein de rôles et peut-être que parfois elle en aura moins. Mmh. Et en fait, le fait de se détacher des personnes et de parler des rôles, ça permet vraiment, quelque part, de garder son ego un peu de côté et de vraiment mettre de la clarté sur ce qu'on attend d'un rôle et de se détacher de la personne qui est censée occuper le rôle. Mmh. On parle juste d'un rôle. Qu'est-ce qu'on attend de ce rôle ? Et on ne s'occupe pas de qui est dedans. Ça, ça n'a pas d'importance parce que ça peut changer à tout moment. Et ça, ça change vraiment la donne sur quelle capacité on donne au rôle à exprimer sa raison d'être et quel périmètre d'autorité on lui donne. En fait. Y a un intérêt aussi que je vois, c'est d'avoir une vision partagée. N'importe qui dans l'équipe a accès au Gasprog et s'il souhaite mener une action, a besoin d'une information, peut directement aller s'adresser au rôle. On est 6, mais imaginez une organisation 100 fois plus grosse. On aurait vraiment besoin de savoir quelle est la personne ressource, quel est le rôle qui peut me renseigner, avec qui est-ce que je peux conduire ce projet. Donc il y a vraiment cette idée d'avoir une vision partagée de l'organisation, de où est-ce qu'elle est vivante aujourd'hui. Et ce que je vois aussi comme intérêt, c'est de mettre de l'explicite sur, sur des choses qu'on attend et qui soient visibles. En fait, je rejoins vraiment cette idée de savoir où se trouve quelle info, où se trouve quelle compétence, quel projet est en train d'être mené, et de différencier une fiche de poste de rôle. Si vous essayez de faire un instant la mécanique de, si je devais décliner ma fiche de poste en rôle distinct, eh ben, je suis sûre que vous en auriez beaucoup aussi. Et ce que je vois vraiment dans l'idée de nommer un rôle avec une raison d'être particulière, c'est de mettre de l'explicite sur ses redevabilités et sur ce qu'on en attend vraiment. Qu'est-ce qu'on pense qu'il peut apporter à la raison d'être ? Et en fait, ouais, ça. Et d'ailleurs, c'est très connecté à notre vision du recrutement, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en recherche de nouveaux associés et on n'a pas du tout on n'a pas de fiche de poste en fait. D'ailleurs, on ne publie pas d'annonce parce qu'on ne trouve jamais quelqu'un qui correspond au genre de profil qu'on recherche. On attend quelqu'un qui a la pêche, qui a envie de s'investir, qui est intéressé par les métiers de l'accompagnement des organisations. Et on n'a pas designé une fiche de poste. On dit, bah, lui, quand il va arriver, ou elle va faire ça, ça, ça. En fait, on n'en sait rien. On a besoin d'une énergie en plus, portée par une personne qui va énergiser des rôles. Et les rôles seront créés en fonction de ses appétences et de ses capacités à mener à bien certains types de projets plus que d'autres. Et puis peut-être que si elle s'en va, bah, les rôles disparaîtront. On n'en sait rien. Mais en tout cas, on est vraiment connecté à cette idée de que quelqu'un est capable d'avoir une panoplie, palette. Ouais, une palette très très large de choses dont elle est capable, en fait, qui s'expriment dans des rôles.
Pour continuer sur cette distinction justement rôle fiche de poste, quelqu'un nous pose la question, il nous rappelle que dans une entreprise classique, souvent il y a un département finance comptabilité. Il a bien vu que nous on avait créé un rôle finance dans le cercle admin, et du coup on nous demande si on a élu un rôle de directeur administratif et financier. Comment est-ce qu'on a réglé cette question? Du coup on n'a pas de rôle de DAF. Mais ce qui s'en apparente de manière la plus proche, c'est bien ce rôle finance en fait. J'ai l'impression que dans la définition, c'est ce qui s'apparente le plus à ce poste-là dans notre organisation. Et à la différence près qu'on sait exactement ce sur quoi peut nous répondre ce rôle. Et on a conclu entre nous, du coup, en réunion de gouvernance, on a reconnu de l'intérêt à ce rôle et on lui a confié un domaine d'autorité bien précis. Donc, j'ai l'impression que c'est bien ce rôle finance qui pourra répondre aux problématiques habituelles. Est-ce qu'il a été élu, ce rôle? Alors, il n'a pas été élu. Par contre, évidemment, comme il a été créé en réunion de gouvernance, il s'est, avant de finaliser sa création, il est passé au tour d'objection. À cette occasion, il a dû être objecté, modifié, pour en faire un rôle qui soit reconnu par tous et utile à l'organisation. Et après, il a été affecté par le leader de cercle qui a le rôle assignation des rôles, ce qui n'empêche que, si on le souhaite, on peut se manifester pour... Oui, ou dire qu'il y a un rôle. En fait, on peut modifier ce qu'on appelle les politiques d'un cercle. Si le cercle décide que ce rôle-là doit être, par exemple, élu sans candidat, on peut le décider en cercle. Et dire, OK, sur ce rôle-là spécifiquement, on ajoute l'élection sans candidat parce que c'est important pour nous. Là, en l'occurrence, on ne l'a pas fait comme ça. C'est un rôle qui est occupé par Alyosha parce que c'est notre mandataire social aujourd'hui. Donc, c'est lui qui gère les finances de l'entreprise, mais il est appuyé par d'autres rôles qui sont énergisés par différentes personnes de l'équipe. Par exemple, moi, j'ai le rôle prévisionnel. C'est moi qui suis en charge de déterminer qu'est-ce qu'on va facturer le mois d'après pour donner au rôle finance une température sur notre trésor à venir, par exemple. Donc, ce n'est pas un rôle qui fonctionne tout seul. C'est un rôle qui est vraiment connecté aux autres rôles. Qui s'appuie aussi, par exemple, sur le rôle Hermès, qui s'occupe de tout ce qui relève de la prospection, qui a besoin d'infos de différents rôles, en fait. L'idée, c'est ça. C'est qu'il peut, si on a reconnu une personne pour énergiser ce rôle-là, ça veut bien dire qu'il a son domaine d'autorité, mais qu'il interagit avec d'autres rôles pour faire ce qu'il a besoin de faire. Et ça ne veut pas dire que ce sera toujours Alyosha qui sera dans le rôle finance. Si ça se trouve, dans 6 mois, ça sera Sarah, ça sera Jeanne. L'avenir nous le dira. Une question sur la relation justement entre les cercles. Est-ce que des cercles peuvent se superposer? Et comment est-ce qu'ils font pour travailler ensemble? Par exemple, comment est-ce qu'un cercle marketing peut travailler de concert avec un cercle d'équipe de développement, par exemple? Alors, sans avoir une approche prédictive, je suis en train de me dire qu'il est possible que... on est plutôt un rôle développeur et un rôle directeur marketing, par exemple, qui directement s'adressent l'un à l'autre. Et que dans notre rôle développeur, on est plusieurs personnes qui énergisent ce rôle avec des redevabilités bien précises. Moi, je ne prédirais pas de la création de cercles pour refléter un service, en fait. Vous avez vu que nous, on a créé des cercles précis sur des sujets parce qu'on a trouvé ça plus pratique de manière opérationnelle. Mais il est tout à fait possible à des rôles de discuter entre eux en s'affranchissant des barrières de cercle. Donc, je demanderais à voir qu'est-ce qui se passerait. Et je ne suis pas sûre qu'il y aurait un cercle développement et un cercle marketing. Je pense que pour le bien d'un projet ou la manière dont l'équipe estime juste de mener ce projet-là, elle s'organise en créant peut-être des rapports plus directs entre les rôles. Oui, on peut imaginer par exemple de créer un cercle pour chaque projet dans lequel on met dedans les rôles dont on a besoin. Ou alors, il y a une nouveauté dans la version 5.0 de la Constitution qui n'existait pas avant, c'est que des rôles de différents cercles peuvent s'auto-organiser
et par exemple déclencher des réunions de triage sans rien demander à personne et faire comme ils le souhaitent pour s'organiser et avancer ensemble, même s'ils font partie de différents cercles. Toujours une question sur le lien entre agilité et holacratie. Mm-hmm. Donc un participant demande s'il y a des coachs pour l'holacratie, est-ce qu'il y a des facilitateurs comme les Scrum Masters, notamment pour l'implémentation initiale? Ouais, c'est une super question. Bah, je pense que déjà, il n'y a pas de règles écrites sur l'implémentation d'holacratie, mais je pense qu'on peut facilement imaginer que c'est pas donné à toutes les organisations de se lancer dans l'holacratie, de s'auto-former et que ça roule dès le début. Donc, dans la majorité des organisations qui adoptent l'holacratie, il y a toujours quelqu'un qui vient souvent de l'extérieur ou alors quelqu'un qui est formé en interne avant de ramener en fait la connaissance de la pratique holacratie pour pouvoir l'implémenter. Donc il n'y a pas de rôle, c'est pas comme en agilité comme tu le disais Jeanne, où il y a un rôle coach qui est défini dans la méthode et c'est exactement comme ça qu'on l'applique, mais en tout cas il y a un facilitateur dans chaque cercle et pour que quelqu'un puisse faciliter, il faut qu'il soit un peu accompagné au début. Nous, pour nous, ça a été plus facile parce qu'on a déjà dans notre métier de la facilitation, on en fait tout le temps en fait. Donc c'est déjà quelque chose qu'on connaissait. Il a juste fallu qu'on apprenne à faciliter à la façon holacratique. Donc on avait déjà cette compétence. Ouais, cette appropriation de l'holacratie, elle se fait petit à petit, mais typiquement, commencer par avoir la posture de facilitation, c'est la première étape. Après, on peut aller plus loin en ayant cette posture de coach, pour aller vraiment challenger les personnes, enfin pas challenger, mais en tout cas permettre aux personnes qui apportent des tensions de faire ce switch d'empowerment, comme on dit, de prendre de l'assurance et d'apporter la pleine souveraineté des rôles en se disant bah, « Ok, ose, essaye ça, et puis fais confiance au processus en fait, et si ça crée une tension à quelqu'un, on le saura par la suite. » Donc je dirais que voilà, niveau 1, devenir facilitateur, niveau 2, être coach. D'ailleurs, c'est un processus qu'on a mis en place, nous. Ouais, bien sûr, voilà. Parce que du coup, l'idée, c'est vraiment d'être formé. Il faut savoir que holacratie, c'est un principe de marque, en fait. Et pour pouvoir l'apporter, il faut être certifié coach holacratie. Voilà. Merci. Ce qui me permet juste d'annoncer avec fierté, de célébrer que Alyosha a été certifié coach holacratie il y a 2 jours. Voilà, donc on est très content de ça parce que on va pouvoir demander un statut provider et en fait il y a que les providers qui peuvent former à holacratie en France et dans le monde. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour nous. Et une dernière question, est-ce qu'il n'y a pas un risque si une organisation est basée uniquement sur des rôles qu'elle se déshumanise et qu'on perd en fait la valeur des personnes? C'est une bonne question. Moi, je pense que c'est un risque. Ouais, c'est un risque, c'est présent. Et je crois qu'on peut faire confiance aux personnes. Il faut bien voir que dans ces deux réunions structurantes dont on a parlé, le triage et la gouvernance, ces deux réunions commencent avec un tour d'inclusion et se terminent avec un tour de clôture. C'est un peu le moment où on apporte peut-être quelque chose de plutôt sensible sur l'état avec lequel on arrive. En réunion de gouvernance, on réagit suite à une proposition. Encore une fois, on peut tout à fait faire appel à son registre personnel de mon ressenti sur cette proposition, c'est. Et là, on peut vraiment faire appel à son registre émotionnel, sa palette de ben, « moi, ça me met en colère parce que si on adopte cette proposition, ça vient complètement empiéter sur mes responsabilités, ce que je faisais jusqu'à présent, et ça ne me va pas, et moi, ça me crée de la contrainte. » Et bien, en fait, ça, c'est quelque chose de plutôt, plutôt sensible pour lequel il y a une place en holacratie dans le processus. Donc, je dirais que ça, c'est intégré vraiment dans la méthode. Et d'ailleurs, juste, j'ajoute qu'on réagit en tant que personne. Ouais, dans un tour de décision, quand on fait un tour de ressenti, de clarif, bonification, objection, on réagit en tant qu'être humain, on ne réagit pas dans un rôle. Donc, on est tout le temps connecté à nous en tant que personne. Et pareil dans les tours d'inclusion et de clôture,
Quand on arrive, on dit bah, « voilà avec quoi j'arrive dans cette réunion, j'arrive en tant que personne, j'arrive pas dans un rôle ». Donc il y a quand même une connexion aux personnes qui est régulière et qui permet d'éviter de la suprématie des rôles sur les personnes. Et je pense aussi qu'on peut garder d'autres outils, d'autres espaces pour gérer tout ce qui est du registre de l'émotionnel, de la créativité, de choses qu'on n'arriverait pas à lever ailleurs. Pour notre part, nous, dans l'organisation, on a gardé des temps où on pratique le co-développement, par exemple, pour résoudre des problèmes ou des sujets complexes sur lesquels on a besoin d'apport d'autres personnes. Pour moi, c'est un parfait endroit d'échange de pratiques, de créativité. C'est tout à fait prévu pour ça. Ce que je vois aussi, c'est la météo d'équipe. Nous, on a gardé des temps assez réguliers pour se synchroniser et peut-être juste parler de manière plus informelle de ce qui est vivant là. Et je crois qu'on y accorde d'autant plus d'importance dans ce contexte sanitaire un peu compliqué. Et j'ajoute juste une dernière chose sur... et j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, je trouve qu'il y a, même... Moi, je dirais que c'est... En fait, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit au début. J'ai une autre vision. Je pense qu'au contraire, ça permet de garder l'humanité dans le sens où on fait vraiment le ménage, notamment en ce qui concerne les inconforts et là où quand ça frotte, sur là je ressens un inconfort mais je le ressens, pourquoi je ressens ça, est-ce que je le ressens en tant que personne en termes de relation interpersonnelle avec quelqu'un, est-ce que c'est un truc qui relève de ma relation avec cette personne ou est-ce que je ressens une tension dans un de mes rôles. Et en fait ça c'est génial parce que ça permet vraiment de mettre de la clarté sur qu'est-ce que j'ai besoin de demander à cette personne pour résoudre ce truc que je sens qui frotte et qui n'est pas confortable, et de ne pas tout mélanger en fait, de ne pas faire des amalgames entre la mission qu'on a dans l'entreprise et la personne qu'on est. Et nous, en tout cas, dans notre scope et en tant qu'associés, ça nous a vraiment permis d'avancer beaucoup et de faire le ménage et de pas perdre du temps à laisser moisir, hein, excusez-moi le mot, mais c'est pas très joli, mais des choses qui ne sont pas claires parce qu'on ne sait pas d'où ça sort et on ne sait pas quoi en faire. Holacracy donne vraiment cette possibilité-là de se pointer en disant ben « moi j'ai un rôle et dans mon rôle je suis bloquée parce que ça me crée une tension et dans ton rôle il y a quelque chose que tu fais d'une certaine façon qui ne me va pas » et en fait ça permet de dialoguer sur cette base-là. Et après, à côté de ça, on s'occupe de nos relations interpersonnelles. Donc moi en tout cas, j'ai jamais eu la sensation que dans notre équipe on perdait en humanité, au contraire, on garde l'opérationnel pour l'opérationnel et les tensions interpersonnelles, on en prend vraiment soin, on s'en occupe de manière régulière et de manière incarnée, et juste parce qu'on sait que ce sont des choses qui relèvent des relations interpersonnelles. Ouais, ça permet vraiment de différencier, en fait, qu'est-ce qui doit être traité où. Cette multiplicité d'espaces, elle est, je pense, tout à fait adaptée à la vie de notre entreprise, et je pense des organisations de manière plus générale, de créer des espaces adaptés pour ce qui doit être traité. Et une autre question sur comment est-ce qu'on peut faire passer Holacracy dans une entreprise. Est-ce que vous avez des idées, des conseils pour mettre en place Holacracy dans une entreprise où l'activité serait très technique ? Par exemple, une société de développement informatique ou un laboratoire de chimie où en fait, on peut difficilement faire tourner des rôles de production parce qu'ils sont liés à un besoin technique spécifique. Je pense que c'est valable, Holacracy est duplicable dans n'importe quel type d'activité. C'est sûr qu'il y aura mécaniquement des rôles qui tournent moins parce que, évidemment, dans un labo, on ne va pas refiler un truc technique dangereux à quelqu'un qui n'y connaît rien. Mais quelque part, ça permet de mettre vraiment de l'explicite sur ce rôle technique. Et dans ce rôle technique, est-ce qu'il n'y a pas en fait plusieurs rôles ? Et qu'est-ce qu'on attend de ces rôles ? Et même en termes de sécurité, jusqu'où va les redevabilités du rôle ? Et à quel autre rôle il peut faire appel. Donc je dirais que c'est pas du tout une limite. La seule limite qu'on a vue pour pratiquer Holacracy, c'est dans des structures où les gens sont très peu ensemble. Des structures où, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont sur le terrain en train de faire des interventions sur site et une équipe plus administrative qui est dans les locaux. Là, c'est vrai qu'il y a une difficulté qui est due au fait de la difficulté à se réunir en fait, et à pratiquer Holacracy ensemble avec des profils qui ont des postes très très différents, qui n'ont pas du tout les mêmes problématiques.
Là-dessus, on a un petit peu une clé qui est de pouvoir faire avec le logiciel dont on parlait tout à l'heure des propositions asynchrones, ce qui permet quand même de traiter des tensions, de faire des propositions sans attendre la prochaine réunion. Donc, quand on est beaucoup sur un système de nomadisme, ça permet quand même de faire continuer de grandir et de modifier l'organisation sans attendre, quoi. Ce que je vais juste pour terminer sur l'idée de ces missions très complexes ou en tout cas incarnées par des profils très techniques, je rejoins tout à fait l'idée de pouvoir les décomposer peut-être même en plusieurs rôles. Je crois que ça peut mettre de la clarté sur ce qu'on en attend et permettre aussi des synergies sur des choses bien précises dans une équipe. Je ne pense pas que ce soit un frein, et plutôt une opportunité de travailler davantage ensemble. Merci beaucoup. On est arrivé au bout des questions. Il est 19h20. Ouais. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot ? Est-ce qu'on s'arrête là ? Ben, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec nous. On adore parler d'holacratie. Et au plaisir de vous recroiser physiquement bientôt, on espère. Avec une bière, pourquoi pas. Juste avant que tu clôtures, Sarah, je trouverais ça pas mal que tu viennes nous faire un coucou, Jeanne, pour qu'on voit qui tu es quand même. Parce qu'on t'entend, mais personne ne t'a vu. Voilà. Merci beaucoup pour vos questions, votre participation. Je vous ai transmis les références de la Révolution en holacratie, de la BD. Et puis le lien de notre Glassfrog, il est public, donc vous pouvez aller le voir, vous inspirer, voir comment fonctionnent nos rôles pour apporter l'idée dans votre entreprise à vous. Bonne soirée et à très bientôt. Ouais, merci. Merci beaucoup. Très chouette de partager sur ces sujets. Moi, j'espère qu'on aura d'autres meet-up en vrai pour aller explorer encore d'autres sujets. Et merci beaucoup, Alex, de nous avoir permis d'échanger sur ce sujet. Malgré le contexte, donc un vrai plaisir et merci beaucoup. Je ne sais pas si tu veux dire un mot de clôture, Alex. C'est possible. Tu peux aussi reprendre la main. Ou alors tu es parti devant ton ordinateur boire une bière, on ne sait pas. C'est bon pour toi ? C'est fini aussi pour moi. Merci beaucoup les filles. Allez, ciao ciao à tout le monde. Bye, bonne soirée.